Voilà, attends. Le micro, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon, il est bien branché. Maintenant, je vérifie. Hein. Voilà. Alors, bonjour ou bonsoir, c'est Revan. Et du coup, bah, on se retrouve pour la suite de The Evil Within 2. Appuyez sur une touche. C'est le sous-titre du jeu, ça. Appuyez sur une touche. Non, je déconne. Bon, bah, alors, on se retrouve pour l'épisode 5. Et donc, bah, en fait, j'ai pas vraiment avancé dans le scénario. Là, j'ai plutôt fait les missions annexes. Mais bon, il fallait bien que je m'équipe. Donc voilà, très honnêtement je sais pas si je dois continuer à faire les missions annexes ou pas. Parce que bon, ça, moi je m'en fous, hein. Très honnêtement moi j'ai envie de voir tout du jeu. Mais je sais pas si je voulais filmer, j'hésite, je sais pas. Et je sais, vous pouvez pas me répondre à moi, donc voilà quoi, on se retrouve bien là. Allez on s'en fout, vous voulez voir du jeu, moi aussi je veux voir du jeu. C'est parti, alors là il faut que j'aille au centre de communication. Et du coup j'avais pas vu parce que j'ai pas fait attention, mais ouais on peut améliorer... la furtivité, se déplacer plus vite accroupi. Ça, il faut que je pense à l'améliorer. Mais je vous dis ça parce que je suis en train de suivre en même temps le let's play de Bob Lennon. Et donc, ouais, c'est une capacité que j'ai pas vraiment fait attention au-dessus, mais c'est vrai que ce serait très pratique. Parce que vous savez, moi je préfère améliorer les flingues et tout. Je suis El Grossos Brennos! Donc voilà. Allez, salle de Sébastien Castellanos. Bon, alors j'avais fabriqué... Merde, attendez, on peut repartir. Ouais, faut que j'aille au centre... au centre d'information, c'est ça? Alors, attends. Le communicateur. Attendez, attendez, il faut que je regarde la carte parce que je me souviens plus du coup. Ok, donc il faut que j'aille là. Ok, là c'est la planque, ok, d'accord. Voilà, juste en face, bon ça devrait pas être compliqué. Ouais d'accord, là on peut pas la bourriner. Trouver le... Ouais, bon on ira après. L'endurance aussi, putain c'est important à améliorer. Alors attendez. Ouais désolé, bah, c'est sûr. Là je peux pas dire de conneries ou de machin, je suis tellement concentré. Ah, une sauvegarde. Bon bah très bien. On va récupérer tout ce qu'on a à récupérer. Voilà. Putain en plus il est. Ah voilà. J'ai peur que la porte elle se referme pas. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 surtout pas l'arbalète, non, mais vous êtes fous! On va garder l'arbalète très précieusement. Qu'est-ce que c'est ça? Dossier. Alors, brochure, bienvenue à Union. Union mélange idéalement le charme d'une petite bourgade avec le confort de la vie moderne. Le tout entouré de toutes les merveilles que la nature a à nous offrir. Non, à offrir, c'est moi qui ai rajouté le doux. Retrouvez la sérénité d'une époque plus simple, où les souvenirs... Où les sourires... Putain, les souvenirs. Décidément, j'ai du mal, hein. Où les sourires amicaux et chaleureux des habitants vous apportent réconfort et convivialité. Échappez-vous du stress et de l'agitation, et découvrez un lieu qui vous accueillera les bras ouverts. Union, heureux de vous accueillir. Ça a changé, hein. J'ai l'impression que elle s'éteint toute seule. Elle s'est fermée toute seule, putain. Une porte cette. D'accord, ok. Don't go. Ah, n'y va pas. Ne pars pas, ok. Oulolo, il se passe des trucs chelous. Putain, merde, je me trompe toujours, c'est pas ça. Bon, on va s'équiper en conséquence. Voilà, je vais prendre le pompe. Il y a ma... Ouais, avec le petit...
J'imagine qu'avec le papillon, c'est ma fille qui sort ça, qui m'a écrit ça. Merde, vous voulez éteindre. J'ai eu du mal. Allez. Oh my god. Je reconnais ce style. Encore lui. Ah putain le salaud. Ah oui. Ah oui, d'accord. Très bien. Bonne chance, Ryan. D'accord. Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Ouais, tu l'as déjà vu ça, Sébastien. C'est censé être de l'art. Ça ressemble plus à une exécution. Il y a peut-être musique stylée. Regardez là, comme ça, quand il vole. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Alors, la dernière inscription enregistrée dans le communicateur. Thunder. J'ai modifié le communicateur pour capter les signaux des puces d'union. Et aussi à localiser où se trouvaient les derniers membres de l'équipe de sécurité. Ou du moins ce qu'il en reste. Ils doivent encore avoir des ressources et quelque chose me dit en plus besoin. Qu'ils en. Les puces émettent depuis des cerveaux morts. Oh ouais, mais attends. Oh lolo lolo, mais ça me rajoute encore des trucs! Ah! Balle de pistolet. D'accord. Pochette à munitions. Ouh, ça c'est intéressant. Balle du pistolet, d'accord. Cartouche de fusil à pompe, ça aussi, ça pourrait être intéressant. D'accord. De toute façon, il faut que j'aille en haut, donc bon. Ok, d'accord, d'accord. Putain, il faut que je retourne là-bas. Cartouche à fusil à pompe, opérateur de mon décédé. Bon. Bon, c'est que je pourrais revenir. J'espère que je pourrais revenir dans cet endroit-là. Voilà. Allez, très bien. Bon. On va mettre à point. Ok, très bien. C'est quoi ça? Ah, du matériel. C'est toujours bon à prendre. Regardez. Bon, allez. On va sortir, hein. Putain le bâtard! Oh, il est passé. Oh putain le connard. Oh là là, il m'a fait flipper. Putain, je vous jure, j'ai sursauté comme un pédé. Ouais, donc on est dans son atelier là. Putain, c'est horrible. Ouais. Elle me fait penser à Laura, la sœur de Rubik. Oh merde! Merde, putain, je les avais pas vus! Ouais.
Lâche-moi. Lâche-moi. Oh là là. Oh là là, je suis en train de me faire choper comme un con. Bon, au grand mot, le grand remède. Voilà, les deux. Un. Voilà. Désolé, mais il fallait mourir. Oh putain. Voilà, c'est bon. Voilà, d'accord, poudre à canon, très bien. Ah! Regardez Baker. Alors attendez, c'est quoi? On va se préparer. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais? Ouais, bon. La sortie, enfin. C'était bizarre, même pour cet endroit. La planque de Nil est juste là. Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix. Bon, bah, très bien. Il court vraiment lentement, hein, Sébastien. Oh lolo. J'espère qu'il y a... J'ai pas regardé si on pouvait améliorer sa vitesse de course. Oh là 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 là. Bon, alors ouais, bah, on va lui annoncer la mauvaise nouvelle. Du coup, et là, du coup, maintenant on peut y aller directement. Qu'est-ce que je voulais dire? Bonjour Nil. Et d'abord, un bon café. Sébastien sait faire du bon café. Sébastien sait faire du bon café. Ah, c'était bon. Ça détend. Ah bah tu m'étonnes. Bon, O'Neill, j'ai des mauvaises nouvelles. Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça, hein? J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, Mobius n'a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre de vous. Comment ça? Ils vous ont envoyé ici, pas vrai? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. De quoi? De quoi? Signal rebelle, mission accomplie. Ok, ouais, attends, il m'a donné des trucs. Il est où l'établi? Ah, très bien, alors qu'est-ce que je vais améliorer? En puissance de feu, de 100 à 105. Quoi ça? Déverrouille les émanations des deux pour une puissance de feu capacité. L'arbalète, c'est quoi? Portée. Ouais, quand même. D'accord. Ça, c'est pas mal, ça. Harpon, c'est quoi? Ok. Portée. Très bien.
Attendez, c'est quoi le dernier truc? Je regarde. Augmente la probabilité d'appliquer des dégâts critiques lorsque vous touchez le point faible de la vie. D'accord. Et le flingue. Oh là 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 là! Il est où? Oh là là! Le flingue. Voilà, la puissance de plus, ça fait quoi? Allez, on va augmenter encore les dégâts. Voilà, très bien. Du coup, voilà, très bien. Fabrication. Ah, carreau harponneur, carreau électrique, allez, nickel. Voilà, très bien. Carreau harponneur, allez, on va en fabriquer. Hein. On va s'équiper à max. Hein. Hop. Ça coûte 30. J'ai combien de sel de poudre? 32. Ouais. Voilà, une ça suffit. Hop, 5 fusils à pompe. Voilà, la moitié. Voilà, très bien. Maintenant on est bien là. Voilà. Bon, et ben voilà. Ben, très bien. Mais là en fait j'hésite. Est-ce que je continue l'épisode ou pas? Parce qu'on a rien fait là, ce sera un court épisode celui-là. Attendez, attendez. J'ai combien de gel? Gel vers 1200. J'ai regardé si je peux aller améliorer un truc. Et ouais, je crois qu'on va. Bon, j'aurais rien. Alors, franchement, ce sera vraiment un super court épisode celui-là. Mais bon, vu que le prochain il risque d'être long aussi. Allez. Donc, voilà. On va s'arrêter là. J'aurais juste fait le centre de communication. Ce sera 20 minutes, comme ça, un truc comme ça. Ça suffira pour aujourd'hui. Voilà. Putain, on est déjà à l'épisode 5. Vous avez encore besoin de mes services. Hein? Oui? Ne croyez-vous pas que le moment est venu d'avancer? Oui? Je sais que mon bureau est relaxant, mais ce... Oui, je voulais regarder... Je pense que je peux rien améliorer. Hey, 4000, ouais. Putain, 5000 pour l'été sur bouteille. Ok, d'accord. Récupération. Ça pourrait être intéressant aussi. D'accord. Bon bah je peux rien améliorer. Très bien. Voilà, alors désolé parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà, ce sera un petit épisode de transition celui-là. Donc voilà. Bon bah écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode quand même, hein, et je vous dis bah à la prochaine. Ciao, ciao.